Au début de la journée, en fait, il y a la préparation du repas du jour. Et après, il est décomposé puisqu'on se sert de la base du repas du jour pour faire les mixer. Et il faut faire bien attention parce qu'il y a des enfants qui ne mangent pas de viande, donc il faut leur préparer du poisson. Il y a des enfants qui sont sans lactose, donc il faut prévoir, faut toujours adapter le menu en fonction des régimes. Après, on donne ça à la personne qui est au mixé, qui, elle, garnit les barquettes, en sachant que tous les enfants ont des barquettes individuelles pour éviter les erreurs. On a une politique de double contrôle, c'est-à-dire qu'on contrôle au niveau du remplissage de la barquette et après, quand on arrive sur les pavillons, l'éducateur recontrôle. C'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment individuel. Alors, il y a des enfants qui mangent normalement et d'autres où il faut avoir beaucoup d'attention, avec faire très attention, pas se tromper sur les régimes. Ben oui, je suis fier parce que quelque part, pour ces enfants-là qui ont des difficultés dans tous les domaines dans la vie, essayer d'améliorer leur repas, c'est quand même quelque chose qui est important. Et ici, tout le monde y attache de l'importance. C'est les enfants, en fait, ils ont de l'étincelle dans le regard et c'est assez émouvant, quoi. Ils sont bien ici.